monde, bienvenue sur la chaîne Lily Beauté. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo de type Q&A, alors questions et réponses. En anglais, c'est question and answer. Mais voilà, alors je vous fais la version francophone qui devrait être en réalité Q&R et Q&R. Bref, je vous fais une petite vidéo mise à jour ou juste une vidéo en fait que je vous explique un peu qui je suis. Une petite vidéo, voilà, juste pour le plaisir, pour échanger un petit peu. Et puis voilà, qui sait, peut-être que vous allez vous reconnaître à travers ce que je dis. Peut-être que vous allez découvrir que finalement on a des affinités ou peut-être qu'au contraire, vous allez dire cette fille-là, elle est complètement à côté de la carte. Alors voilà, vraiment juste une vidéo pour jaser comme ça. Je trouvais ça intéressant. Ça fait un moment que je vous en ai pas fait. Alors la dernière fois que j'en ai fait une de ce type-là, ça remonte pratiquement à 2 ans. Et c'est quand je reprenais un peu ma chaîne. Et puis voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de juste parler comme ça, apprendre à se connaître un peu. Donc j'avais sorti quelques questions et puis je suis pas certaine que je vais toutes les faire parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Et le but, c'est que ça devienne pas une vidéo très très lourde et puis qu'au bout de, je sais pas moi, 10 minutes, vous faites comme ok, c'est bon, elle a assez parlé. Alors je vais sélectionner des questions comme ça un peu au hasard et puis on y va à la volée. Première question que je trouve très intéressante, donc quels livres ont eu la plus grande influence sur toi? C'est drôle parce que ce matin j'en parlais justement avec une collègue de travail et on parlait de désencombrement, du fait qu'à la maison on a tendance, ben en tout cas souvent à la maison on a tendance à accumuler, accumuler. Alors le livre qui m'a le plus, qui a eu le plus d'influence sur moi dans les dernières années, je vous dirais que ça s'appelle Le pouvoir du rangement. Alors là, sur le coup, j'ai pas l'auteur en tête, mais je sais que cet auteur-là, c'est une pro dans l'aspect un peu, on va dire, désencombrement ou en tout cas organisation de maison. Et ce livre-là, franchement, c'est pas le genre de livre que j'aurais pensé lire un jour parce que déjà en partant, je suis pas une grande lectrice. Alors, je ne lis pas beaucoup de livres et quand je le fais, ça prend du temps. Donc, moi, je suis vraiment la genre de personne qui lit à peu près 10-12 pages et puis là, j'ai besoin de fermer le livre et je ne sais pas quand est-ce que je vais le réouvrir. Alors, je suis ce type de personne-là. Bref, mais ce livre-là, honnêtement, je l'ai dévoré. C'est un livre que j'ai lu d'une traite. J'ai vraiment aimé ce livre-là parce qu'il me rejoignait. Et non seulement dans ce livre-là, on vous explique comment prendre soin de votre maison, mais on vous explique aussi les bienfaits du désencombrement. On vous explique que des objets placés à une certaine hauteur vont avoir une incidence sur, par exemple, la lourdeur sur vos épaules ou en tout cas, bref, vraiment un livre que j'ai adoré et ça m'a ouvert la porte. Pas ça m'a ouvert la porte, mais ça m'a ouvert l'esprit, on va dire, à aller chercher d'autres informations sur le sujet. Donc, je ne suis pas une grande, comment je pourrais dire, je ne suis pas une freak du ménage, c'est-à-dire que vous n'allez pas arriver chez nous, puis ce sera pas stick and pan comme on dit là, je sais même pas si on dit ça, mais ce sera pas voilà, shiny partout partout. Bon, j'ai un enfant, on a un chien, on a une réalité de famille qui bouge, donc c'est nécessairement en mouvement à la maison. Donc c'est pas vrai qu'on arrive le soir et on fait absolument attention à tout ce qu'on fait à la maison, mais ce livre-là, ça m'a apporté une autre approche sur comment je devrais faire mes achats, par exemple, qu'est-ce que je devrais garder, qu'est-ce que je devrais me débarrasser, tu sais, juste pour vous donner un exemple, et après ça, je boucle la boucle, mais tu sais, par exemple, les factures, on va vous dire, elle va vous dire en fait, l'auteur, que une fois que vos factures sont payées, c'est pas nécessaire de garder ces papiers-là des années et des années. Entre vous et moi, combien de fois vous êtes allé revoir une facture que vous avez payée quand vous savez pertinemment que c'est un dossier classé? Exemple, les taxes scolaires, vos taxes de maison, quand vous savez qu'elles sont payées. Généralement, les institutions financières ou les institutions chez lesquelles vous payez vos factures gardent une copie, eux. Eux, c'est leur travail. Eux, ils se doivent de garder ces documents-là. Donc, bref, vous, c'est pas nécessaire. Puis souvent, on met ça dans des tiroirs qu'on va jamais
on va jamais les réouvrir, on va jamais fouiller dedans. Puis finalement, au bout de 15 ans, on ouvre ça, il y a des papiers, on sait plus quoi en faire. Et puis là, ça devient une lourdeur de se dire, oups, là, je dois faire le tri là-dedans. Alors, vous voyez un peu où je veux en venir, là? Ce livre-là vous explique vraiment comment faire le tri dans tout ce que vous possédez d'une manière respectueuse et organisée. On boucle la boucle. Je vous mets le titre là en bas et je vais vous mettre le lien aussi. Je sais pas si on peut le trouver sur les internets probablement, mais je vous mets tout ça en bio. Alors, autre question. Wow. Là, j'ai vraiment l'impression que je me livre à vous. C'est super intéressant. Après, on n'est pas dans le jugement, on est vraiment dans l'humain, hein, les échanges humains. Alors, quel objectif t'es-tu fixé récemment? Penses-tu être sur la bonne voie pour les atteindre? Alors, des objectifs, j'ai l'impression que d'abord, je suis une personne qui pense énormément. Je suis souvent en mode réflexion, que ce soit pour une petite chose ou pour une grande chose. Je suis souvent en mode réflexion. Donc, ça arrive que les gens autour de moi me parlent et je ne réponds juste pas parce que dans mon cerveau, il se passe beaucoup de choses et puis là, les gens font comme allô? Puis là, je suis comme oui, excuse, je suis en train de réfléchir. Donc, voilà, je suis quelqu'un qui pense beaucoup et je me fixe souvent des nouveaux objectifs. Et je suis tout le temps en train de me dire comment je pourrais faire pour faire telle affaire. Là, par contre, si on y va dans un avenir rapproché, quelque chose qui me tient vraiment à cœur actuellement, je vous dirais que j'ai deux principaux objectifs et je pense que c'est des objectifs qui sortent pas du tout du commun. Et je pense que plusieurs doivent se fixer ce genre d'objectif-là. Donc, le premier pour moi, c'est de réduire ma consommation d'alcool. Donc là, ne vous méprenez pas, là, je ne suis pas une grande alcoolique. En fait, je ne suis pas une alcoolique. Il n'y a pas de grande petite. Tu es alcoolique ou tu ne l'es pas. Mais bref, je ne suis pas alcoolique, mais comme bien des gens, la fin de semaine, j'aime bien me permettre un verre, deux, trois. Des fois, c'est le vendredi, des fois, c'est samedi aussi. Bref, voilà. Et non seulement, bon, il y a des gens qui vont dire, ah, oh, c'est correct, tu sais, tu prends juste la fin de semaine, puis des fois, c'est contrôlé. Non seulement, oui, ok, je contrôle cet aspect-là de quand, mais le vrai problème, c'est que c'est de banaliser le truc, que de se dire que bon, c'est juste la fin de semaine, c'est pas grave. Et l'autre problème, c'est d'être ignorant de tout ce que ça peut apporter, l'alcool. Donc, vous allez me dire, ouais, petite dose, c'est pas dangereux. Ouais, ok, mais quand même, tu sais, si on casse pas tout de suite cette habitude-là, on le fera jamais. Et puis moi, à un moment donné, j'avais lu une petite phrase qui disait arrêtez d'être en mode amateur. Puis la personne, ce qu'elle voulait dire, c'est arrête de dire, de toujours te trouver des excuses, puis de dire bah c'est bon, tu prends juste un verre une fois de temps en temps, ou juste un verre la fin de semaine, ou tu te dis ah, j'ai une grosse journée, je prends un verre. La personne, ce qu'elle voulait dire, c'est ça, c'est un mode amateur. Donc, arrêtez d'être dans ce mode-là et réalisez vos objectifs. T'sais, soyez en mode proactif, puis combattez un peu ces pensées-là de ah, c'est pas grave, ah, c'est pas grave. T'sais, juste pour vous donner un exemple, là, c'est l'Halloween, mais en fait, ça a été l'Halloween hier. Et puis là, les gens, ils sont comme ah, ben là, on a plein de bonbons, c'est la période, on va en manger, ça dure juste une période. Mais le fait de ne pas être capable de combattre ces pulsions-là, c'est un problème en soi. C'est un mode amateur. C'est ce que la personne voulait dire. J'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant comme concept et j'avais comme envie de me rappeler de cette phrase au quotidien. Tu sais, de ne pas banaliser, ah, je vais manger au resto, c'est la deuxième fois cette semaine, ah, oh, c'est pas grave, tu sais, j'irai pas une autre fois. Non, mais contrôle-toi. C'est ça. Bref, donc l'alcool, oui, je voulais dire que de ne pas banaliser les mauvais effets de l'alcool. Et il faut savoir que l'alcool, c'est un poison. Et il faut savoir que ce n'est pas du tout naturel d'ingérer du poison pour l'humain. En fait, c'est dangereux. Je sais pas si je vous apprends ça. Et puis, physiquement aussi, l'alcool apporte beaucoup de changements. Non seulement ça fait prendre du poids quand c'est pas contrôlé, mais en plus, on remarque les gens qui consomment beaucoup d'alcool à leur visage un peu enflé, un peu bouffi. Et ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faut effacer de sa vie. Et je trouve ça très intéressant parce que j'avais lu quelque part que la nouvelle génération, quand on parle de nouvelle génération, c'est un peu la relève active, là, donc les 18, 20, peut-être les 18, 23, 24 ans, là, sont beaucoup en espèce de guerre contre l'alcool. Il y en a beaucoup, en tout cas, qui sont comme, c'est pas bon, on n'y touche pas, on n'a pas besoin de ça.
Puis ça, c'est bien. C'est bien. En même temps, c'est triste pour les microbrasseries et pour les brasseurs de bière, mais en tout cas. Mais sa santé, c'est encore plus important que l'avenir d'une microbrasserie. Eux vont pouvoir se recycler entre choses, mais vous, votre santé, vous n'allez pas pouvoir le recycler. Donc, c'est un peu ça le truc. Premier objectif, l'alcool. Et ça m'arrive souvent de me faire des espèces de défis de j'arrête 2 mois. Donc là, vous voyez, je suis là-dedans. Là. À partir du 1er novembre, je me suis dit, on fait un 2 mois pas d'alcool jusqu'aux fêtes. Encore là, c'est être en mode amateur. C'est se dire, ah, aux fêtes, c'est bon, on se lâche lousse. Je vais avoir fait 2 mois de pause. Mais rendu aux fêtes, on verra comment ça va. Donc, premier objectif, l'alcool. Et deuxième objectif, ben, c'est la perte de poids. Mais je vous dirais qu'il y a plein de choses qui viennent là-dedans, là. Donc, t'sais, c'est sûr que l'alcool, la consommation d'alcool, ça fait prendre du poids. Le fait de pas se contrôler, qu'on voit des bonbons. Bref, moi, je vous dirais que tout ce que je vous ai nommé plus tôt, là, c'est vraiment moi. Et puis là, je me livre à vous vraiment dans toute ma vulnérabilité, là. Mais c'est vraiment moi, le fait de. En fait, je suis une grande amatrice. Voilà, je suis une grande amatrice. Mea culpa, c'est moi. Donc, j'essaye d'appliquer ces concepts-là au quotidien, mais c'est pas évident, c'est pas facile, surtout quand t'as un entourage qui est vraiment dans le laisser-aller, qui va te dire ah, allez, c'est bon, vas-y, juste une fois, puis là, t'es comme ouais, ok, ah, ouais, bon. Finalement, t'échoues, lamentablement. Donc, ce sont mes deux objectifs. Et puis, je vous dirais que la perte de poids après mon accouchement, j'ai eu une espèce de période de déni où je me disais, c'est pas grave, Émilie, tu viens d'accoucher, les gens vont comprendre, tu dois accepter que ton corps actuellement, ben, il a souffert, puis il doit se replacer. Mais là, ça commence à faire un moment, et puis, il y a des filles qui accouchent, et puis au bout de quelques mois, ben, ils ont repris leur shape. Mais ça, c'est parce qu'ils ont travaillé fort sur elles-mêmes, parce qu'ils ont pris des bonnes habitudes. Voilà. Donc, si elles sont capables, je suis capable. Hein? Stopper le mode amateur. Merci. Quelle est, selon toi, ta plus grande qualité? Je veux pas me vanter. Je vais pas me vanter. Mais je suis Capricorne. Et puis, si vous allez voir vite comme ça, on dit des Capricornes que c'est l'un des plus beaux signes du zodiaque. Alors, Capricorne, quelle est ma plus grande qualité? Je te dirais que ma plus grande qualité, c'est ma persévérance. Je suis quelqu'un qui, je sais pas si c'est un beau bout ce que je vais dire, mais je suis quelqu'un qui est prêt à beaucoup de choses pour arriver à mes objectifs et ça implique de parfois moins passer de temps avec ma famille et mes amis. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. J'aime travailler. Je dirais pas que je suis une carriériste, là. En fait, je travaille pour atteindre mes objectifs. Je ne travaille pas pour monter en échelon. Je sais pas si vous voyez un peu la différence, là. Cela dit, je fais un travail que j'aime beaucoup avec des conditions de travail excellentes. Mais ce que je veux dire, c'est que, exemple, que j'ai envie de me payer un voyage dans 1 an, 2 ans, un gros voyage de quelques mois. Je sais que ça va prendre des sous. Je sais que je veux me gâter. Ben, je vais mettre les bouchées doubles pour travailler. Donc là, actuellement, j'ai 2 travails et parfois 3. Donc, il y a un travail qui est plus ponctuel, on va dire. Donc, actuellement, je travaille beaucoup et ça va arriver que je vais dire à mon copain ou à mes amis, ben écoute, je suis pas disponible pour les 3 prochaines semaines parce que mes fins de semaine, mes soirées sont occupées. Donc, je saute sur les occasions, je suis opportuniste et je suis persévérante. Ça implique des mauvais côtés, mais ça implique aussi que j'atteins généralement mes objectifs et ça implique aussi que je les atteins seule. Donc, je suis quelqu'un d'assez indépendant et je ne veux pas avoir besoin de personne pour m'aider à me développer. Donc, voilà, c'est un peu ma personne. Donc, ma plus grande qualité, je pense que c'est la persévérance. Quelle peur souhaites-tu dépasser, mon Dieu? C'est intéressant ça, parce qu'encore ce matin, j'en parlais. C'est vraiment intéressant. Je vous dirais que pendant longtemps, je me suis un peu isolée socialement parce que j'ai peur un peu des moments de silence. Donc, dites-moi si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai peur des moments de silence quand je suis entourée et on dirait que, puis ça, j'ai compris ça dans les dernières semaines en lisant quelque chose, on dirait que j'ai peur de la perception des gens sur ma personne.
C'est vraiment intéressant, mais longtemps, je me disais, puis longtemps, en fait, c'est jusqu'à tout récemment, je me disais, si je suis avec des gens et que j'arrête de parler ou qu'il y a un moment de silence et que je ne suis pas capable de meubler la conversation, les gens vont trouver que je suis une personne ennuyeuse. Et puis là, je me disais, ça, je ne veux pas ça. Donc, au lieu de confronter ce sentiment-là de peur, je m'isolais. Donc, c'était plus facile pour moi à gérer d'être seule à la maison, ben seule, on s'entend, avec mon copain ou ma fille ou peu importe, que d'affronter le fait d'être avec des amis et qu'il y ait peut-être ces moments de silence-là. Donc, c'est vrai. Puis, avec du recul, je me rends compte que quand je vais voir des amis, souvent, je me préparais un peu aux discussions qu'on pourrait avoir au cas où, qu'à un moment donné, on arrête de parler. Là, vous allez dire que je suis complètement sautée. C'est pas grave. Je vous dis, là. Je vous dis juste ce que j'ai en tête. Donc, ouais. Donc là, je travaille là-dessus. Et puis, j'ai envie d'accueillir plus zenement. Je sais pas si ça se dit zenement, mais en tout cas, de manière plus zen, ces moments-là. Puis j'ai envie de voir aussi comment les autres. Puis tu sais, j'avais lu aussi que il y a des gens qui sont pas hyperactifs comme moi dans leur blabla. Et il y a des gens qui ont besoin de ces moments de pause-là pour assimiler un peu l'information et réfléchir à ce qu'ils vont répondre. Donc si ces gens-là sont constamment avec d'autres personnes qui font juste parler. Comment tu veux que ces gens-là évoluent dans la conversation ou trouvent leur place pour parler? Parce qu'ils sont constamment confrontés à quelqu'un qui bouche les trous. Vraiment très intéressant tout ça. J'ai adoré me renseigner là-dessus et espérons que ça m'aide à cheminer. Donc je croise les doigts, j'ai envie d'être cette personne-là plus zen avec les autres. Moins hyperactive, puis moins boucheuse de trous. Quel est ton premier souvenir d'enfance? Je vous dirais que quand je pense à l'enfance, je me vois principalement avec une amie en train de jouer sur une butte de neige près de chez moi. En fait, c'était l'amie avec qui j'étais tout le temps. On était les meilleurs amis, on habitait dans la même rue, on avait le même prénom. En fait, on a le même prénom parce que cette personne-là existe toujours. On n'a plus vraiment de lien, par contre. Mais souvenir d'enfance, c'est principalement ça parce qu'on se voyait presque à tous les jours. Et on avait cette espèce de jeu-là qui s'appelait les loups. Donc, on avait chacun nos rôles dans l'histoire et puis on s'amusait ensemble. Et puis là, whoop, à un moment donné, on disait, ah ben là, je suis devenue telle personne. Ah ben là, moi, je suis telle personne. Fait que là, on évoluait dans l'histoire avec nos personnages. C'était vraiment très intéressant. Mais quand je pense à mon enfance, j'ai cette image-là de nous deux qui jouent sur une butte de neige aux loups. Voilà. C'est ça mon souvenir d'enfance. Quelle est la leçon la plus mémorable que tes parents t'ont apprise? Alors, je vous dirais que mes parents se sont jamais assis devant moi pour m'apprendre des grandes leçons de la vie et c'est rare que ça va être le cas. Si c'est le cas, voilà. Je ne sais pas quel conseil vous donner. Par contre, je pense que les leçons, ça s'enseigne avec les gestes, avec voilà, le fait de démontrer les choses. Qu'est-ce qu'ils m'ont appris, mes parents? Plusieurs choses, en fait. Mais principalement, en fait, j'ai envie de dire les voyages, l'amour pour les voyages. Est-ce que c'est une leçon? Je sais pas si c'est une leçon, mais en tout cas, cette espèce d'esprit d'ouverture-là, mais ouais, cette ouverture d'esprit-là plutôt, et cette envie-là de voyager, cette envie-là de s'ouvrir sur le monde. Donc, puis l'esprit de famille, ça c'est beau parce qu'on est quatre enfants, mes deux parents sont toujours ensemble, et puis, tu sais, mes parents ont toujours accueilli nos amis à la maison. Il y avait toujours des gens à la maison, et encore là aujourd'hui, là, tu sais, avec nos enfants, puis voilà. Il y a toujours des gens à la maison et puis vraiment cet esprit de famille-là et d'accueil. Donc je vous dirais que c'est principalement ça que je retiens de ma vie de famille, on va dire là. C'est vraiment le fait de s'ouvrir sur le monde et de vivre dans l'esprit de famille. Donc je vous dirais que c'est pas mal ça. Si tu pouvais passer une heure à faire tout ce que tu voulais, que choisirais-tu de faire? Oh mon Dieu! Je partirai en voyage. Je partirai en voyage. Je serai partie. Alors, ce serait vraiment mon rêve. Et encore plus concrètement, là, ce serait de faire de la randonnée en montagne. Donc, rien à voir avec l'Everest, là, vraiment pas. Mais juste du hiking en montagne, des petites randonnées de 4, 5 heures, 6 heures peut-être. Tu sais, quelque chose où que tu retournes à la maison le soir, mais que c'est assez intense pour
pas pour te déstabiliser, mais pour te faire sentir vivante, là. Ce genre de randonnée-là où ce que t'as pas d'auto qui passe près, très peu de gens dans la montagne, ce genre de randonnée-là où ce que t'es presque seule avec toi-même. C'est ce que je ferais et je le ferais souvent. Si je pouvais avoir mille et un lieux autour de moi, accessibles facilement, rapidement, j'en aurais fait des randonnées, là, mais si je pouvais, c'est ce que je ferais en répétition. Alors, si tu pouvais aller dîner n'importe où dans le monde, où irais-tu? Ces temps-ci, j'ai une envie de Grèce. De Grèce. On va dire ça comme il faut parce que Grèce, ça peut être autre chose. La Grèce. Alors, je ne sais pas pour vous. Ben, en fait, peu importe. Ces temps-ci, en fait, ça fait au moins 2 ans, là, j'ai cette envie-là de voyager en Grèce. J'avais même proposé ça à une amie. Finalement, on est allé, on est resté en France, mais ouais, j'aurais le goût d'aller en Grèce puis manger en Grèce. Ouais. Quoi, je sais pas. C'est vraiment l'idée qui me vient en tête. Dernière question, parce que ça fait déjà un moment. Alors, comment est-ce que tu définirais le succès? Le succès. Le succès, c'est tellement personnel parce que le succès, là, vous allez me dire, bon, elle est sortie dans ses grandes philosophies. Le succès, ça peut être quelqu'un qui ose pas sortir de la maison à chaque jour et qui fait l'effort d'aller prendre une marche. Ça, c'est le succès. Le succès, ça peut être d'avoir réussi un examen que ça fait 3 fois que tu reprends. Le succès, ça peut être d'avoir enfin décroché un emploi dans ton domaine. Tu sais, le succès, c'est très personnel. Alors, je vais juste relire la phrase. Comment est-ce que tu définirais le succès? Le succès, c'est d'être fier de toi pour un accomplissement personnel, gros ou petit, grand ou petit plutôt. Donc, le succès, ça t'appartient et tu l'associes à ce que tu as envie de l'associer. Donc, c'est vraiment ça, le succès. Voilà. C'est comme ça que je définirais ça. C'est bravo à toi qui accomplis des grandes choses ou des petites choses au quotidien ou ponctuellement. C'est bravo à toi qui es fier de toi. C'est ça le succès. Le succès, ça se définit pas par l'argent que tu fais par année, ça se définit pas par la grosseur de ta maison, parce que soit dit en passant, plus ta maison est grande, plus tu dois faire le ménage, plus il y a du ménage à faire. Moi, c'est vraiment, ouh, je veux pas ça. Alors voilà, le succès, c'est d'être fier de toi pour ce que tu accomplis au quotidien, peu importe ce que ce soit. Alors voilà, c'est tout pour ce petit échange. Je voulais qu'on discute, je voulais vous en apprendre un peu plus sur moi, sur qui je suis, dans une autre lunette que la Émilie qui présente des produits ou qui vous parle de toutes sortes de trucs. Donc, je voulais un peu vous montrer qui j'étais derrière tout ça. J'aimerais vous entendre, ou bon, plutôt j'aimerais vous lire en commentaire, vous, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que je vous ai dit? Est-ce qu'il y a des questions qui venaient vous chercher? Alors, écrivez-moi, je veux savoir si ça m'intéresse. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, faites-moi un petit j'aime, partagez ma vidéo, on sait jamais, ça peut m'aider. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!